à tous les trois de me rejoindre sur cette discussion entre programmateurs de festivals de films de genre et, a fortiori, de personnes qui programment du court-métrage et qui valorisent la création de réalisateurs et réalisatrices qui ont fait le choix de partir un peu avec un double handicap dans leur carrière, travailler aussi bien avec le format court que de travailler avec le cinéma de genre. Donc, fantastique, science-fiction, horreur, thriller, peu importe ce gros mot valise qui est cinéma de genre, si vous voulez qu'on s'amuse à le définir, pourquoi pas. Moi, pour l'instant, je ne vais pas nous lancer sur cette piste. Ce que je vous propose, c'est que ne pas vous présenter moi, mais que vous preniez le temps de vous présenter vous. J'ouvre la danse. Cyrielle Dozière, je suis directrice et programmatrice du Festival Court-Métrange. Donc, Court-Métrange, c'est 17 ans de compétition internationale de courts-métrages fantastiques, étranges et insolites. Moi, c'est Sarah. Je suis productrice et programmatrice pour Motelix. C'est un festival de cinéma d'horreur à Lisbonne. Donc, notre programmation est de genre, mais très spécifiquement tournée vers l'horreur. Et on essaie de montrer aux personnes que l'horreur, c'est aussi un genre très diversifié. Et cette année, ça sera notre 15e année, notre 15e anniversaire. Eh bien, moi, c'est Célia Pouzé, donc programmatrice pour le Festival Fantasia à Montréal. Donc, on est un des plus grands festivals de cinéma fantastique et de cinéma de genre au monde. On se déroule sur 3 semaines à Montréal avec près de 120 longs-métrages et très grand nombre de courts-métrages aussi. Et on a créé le marché de films Frontières qui se déroule pendant le festival, qui est un marché de coproduction assez important dans le cinéma de genre. Je programme, je fais de la coordination, du management aussi, et je consulte pour d'autres festivals et je fais un petit peu des courts-métrages pour Motelix aussi. Moi, c'est Thibaut Vandover, je suis programmateur des courts-métrages au BIF, au Brussels International Fantastic Film Festival. Ça fait l'année prochaine, ce seront les 40 ans du festival déjà. Je pense qu'on peut aussi dire que ça fait partie des 5 gros festivals de films de genre au monde, avec notamment effectivement Fantasia et quelques autres festivals aux États-Unis et en Espagne notamment. Et voilà, ça fait 3-4 ans que je fais la programmation des cours maintenant. Je fais aussi quelques autres activités au festival et je suis aussi critique ciné sur le côté, mais du coup, je ne vois pas que des films de genre, mais principalement des films de genre. Et au festival, c'est surtout horreur, science-fiction, fantastique. Ben, je crois vous allez sûrement être tous d'accord pour dire que de toute façon, on ne voit pas que des films de genre. Ça fait peut-être partie de la spécificité de notre boulot. En tout cas, moi, je l'entends assez souvent comme ça, c'est-à-dire que je regarde du cinéma et que l'étiquetage film de genre, dans mon quotidien, ne m'intéresse peu. Il m'intéresse professionnellement pour aussi la revendication artistique que ça représente, puisque c'est un... Alors, je ne sais pas si mon expertise vaut de droit, mais quand même, je ne pense pas me tromper pour dire que c'est quand même... Ça fait partie des genres cinématographiques qui sont souvent... qui ont souvent mauvaise réputation, qui ne sont pas souvent si bien valorisés que ça. En France, ce n'est pas simple. Ça va mieux maintenant, hein. ça évolue, ça a mis du temps, mais ça commence à évoluer. Mais évidemment que nous, on aime bien dire que Court-Métrange, par exemple, c'est un peu un outil de décloisonnement des genres, justement, de se dire pourquoi étiqueter comme ça. Ça correspond à une histoire du cinéma, évidemment. Mais bon, on se positionne aussi comme des gens qui étiquetons, puisqu'on valorise un certain cinéma. Oui, dans mon cas, par exemple, à Motelix, nous, on est très spécifique horreur. Et souvent, l'horreur, justement, ça fait peur. Et donc, c'est aussi ce travail, justement, de vouloir convaincre les personnes qu'il y a une grande, grande diversité. C'est pas que des fantômes, c'est pas que des films de gore horribles, de massacres horribles. Donc, il y a aussi tout ce travail à faire. Mais aussi, surtout au Portugal, parce que le Portugal, déjà, c'est pas un pays avec une énorme production cinématographique en général. On a déjà un peu plus, ça s'évolue, mais encore moins dans le genre, donc moins dans le cinéma de genre et encore moins dans le cinéma d'horreur. Et donc, c'est aussi,
C'était aussi un objectif principal du festival dès qu'il a commencé en 2007. C'était de faire en sorte que les gens ils veulent produire des films de genre et des films d'horreur. Et c'est pour ça qu'on a créé, c'était en 2009, donc c'était à la troisième édition, on a créé la compétition pour des courts-métrages portugais pour la production nationale. Et c'est une compétition qui a évolué énormément. Aujourd'hui, on a le prix monétaire le plus grand pour le format court au pays. Et surtout, ce qui est très beau à voir, c'est qu'on a accompagné un peu quelques jeunes réalisateurs qui aujourd'hui ont déjà fait des longs, par exemple, ou qui ont fait une carrière beaucoup plus grande. On a eu un, par exemple, qui a passé son court-métrage à Sundance il y a 3-4 ans, je ne me souviens plus exactement. Donc c'est aussi tout ce travail de dynamisation de la production nationale, en tout cas pour nous ici au Portugal, et surtout de démystifier un peu le genre et la peur que les personnes parfois ont un peu quand on leur dit on programme un festival de cinéma d'horreur et tout le monde pense directement à des choses horribles et comment ça se peut, comment ça se fait. Et surtout quand on leur dit qu'on a une section pour enfants aussi, c'est toujours très drôle. C'est toujours très drôle à expliquer qu'est-ce qu'on fait avec des enfants dans un cinéma d'horreur. Mais donc c'est aussi, je pense que c'est aussi ce qui est beau à voir dans le cinéma de genre, c'est que ça marche pour tout le monde. C'est que ça peut marcher pour tout le monde. Il y a plein de petits sous-genres, allez, on va dire, qui peuvent marcher pour tout le monde. Ouais, mais pour Fantasia, c'est un petit peu bizarre chez nous parce qu'à la base, Fantasia, c'était Fantasia et c'était un festival en fait de films asiatiques plus ou moins fantastiques, mais au-delà de ça aussi. Et c'est un festival qui a lancé à l'international des grands réalisateurs japonais, en tout cas en Amérique du Nord, les premiers à avoir à repérer du Minike, du Sonotion et des choses comme ça. Et du coup, ça s'est élargi sur l'international, mais aujourd'hui, en fait, quand tu regardes la programmation asiatique, on peut trouver des comédies romantiques comme on peut trouver. Enfin, on est quand même très, très, très large et très flexible. Et même moi qui m'occupe principalement, enfin, qui dirige la section documentaire, en fait, ça, c'est un truc qui étonne toujours, c'est qu'on parle de documentaire dans le cinéma fantastique et qui, en fait, ne se réduit pas que à passer un documentaire sur un réalisateur de films d'horreur ou sur quelque chose de très, très spécifique au cinéma d'horreur. On va chercher plutôt des histoires de personnes un petit peu marginales. On va chercher un style très underground et indépendant. On va chercher tout. En fin de compte, on va chercher tout ce qui ne rentre pas dans les autres cases et on va les remettre dans nos cases à nous. Alors, on va en créer des cases. Mais c'est vrai qu'on a la chance, en tout cas, sur un aussi gros line-up que Fantasia. Enfin, on a quand même 3 semaines à 21 jours de festival à remplir. On peut se permettre tout plein d'écarts, tout plein d'expérimentations, de se dire, bon... Non, ça c'est pas très fantastique, mais il y a un aspect, etc. Parce que j'aime beaucoup aussi récemment avoir vu évoluer le cinéma de genre dans ils appellent un peu le magic realism ou des films très sociétals, mais qui ont un petit aspect de cinéma de genre comme The Untamed par exemple. Ou d'autres films comme ça et j'aime bien que ça, le cinéma de genre se soit étalé comme ça et un peu repris ses droits sur le cinéma un peu plus mainstream. J'ai vu aussi un grand changement des attitudes, par exemple envers moi. Moi, je sais qu'avec mes anciens collègues qui ne travaillaient pas dans le cinéma de genre, si je travaillais dans la distribution ou quoi, c'était oui, non, mais Célia, c'est celle qui regarde les films de zombies. Non, j'en regarde plus que ça. Puis d'ailleurs, les films de zombies, c'est ce que j'aime le moins en vrai dans le genre. Donc. Mais à partir du moment où Del Toro a gagné son Oscar,
Ah oui, Delta Vrin, ah oui, quand même. Puis d'ailleurs, qui était venu au BIF, et tout d'un coup, je crois certains de mes collègues qui sont au BIF, tiens, on change de bord, tout d'un coup, ça vous intéresse un peu et tout. Et donc, ça c'était chouette, ça. Il y a eu un vrai changement à ce niveau-là, ou alors, mince, j'ai perdu le titre du Coréen qui a gagné Cannes. Parasite. Parasite, merci, ça aussi. On est dans le cinéma de genre. Aujourd'hui, on a Julia Ducournau et le réalisateur russe Kirill. Alors, Sokolov. voilà, qui sont en compétition cette année. Donc, ouais, très souvent dévalorisés, mais on représente un cinéma un peu underground, un petit peu marginal, mais malgré tout, le cinéma underground n'est pas hermétique au cinéma mainstream, et il s'influence toujours constamment. Et j'aime beaucoup voir toujours ces débordements et balancer entre les deux. Et en tout cas, Fantasia, c'est assez fun parce qu'on peut bien, bien expérimenter là-dessus. Ce qui est intéressant avec le cinéma de genre, de manière générale, hein, c'est évidemment l'horreur, mais aussi beaucoup le fantastique et la science-fiction, c'est que en fait, ce sont des vecteurs de, enfin, sont trois genres qui permettent énormément de parler de la société actuelle. Du coup, enfin, et pas que actuelle, mais de plein de sujets de société qui font que bah, ces films-là dépassent juste le propre cadre du genre. Et que ça va bien plus loin que ce que les gens pensent de manière générale. Alors, c'est sûr que si on s'intéresse principalement aux grosses sorties de l'année, les productions Blumhouse, les quelques films Universal et Warner qui sortent, bon, bah, enfin, il y a de ça aussi, mais c'est un peu plus limité. Alors que c'est clair que dans le cinéma de genre, il y a énormément de choses très différentes, et je pense qu'on peut tous en juger quand on voit ce qu'on rien que dans les soumissions qu'on nous propose, on voit vraiment de tous les trucs possibles et imaginables. Parfois, il y a des thématiques plus présentes que d'autres certaines années. Hein. On a l'impression qu'il y a eu les applications de rencontres il y a 2, 3 ans, c'était beaucoup ça. Enfin, voilà, en fonction des années, il y a beaucoup de choses qui changent, mais rien que en suivant les soumissions, on voit ce qui intéresse les gens, on voit les sujets qui leur parlent. Et c'est ça que je trouve une des choses les plus intéressantes dans notre cinéma, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas moyen de se lasser de découvrir et d'entendre les discours des gens du monde entier. Parce qu'évidemment, là, on parle, c'est que le cinéma, pour la plupart des gens, je pense que c'est les États-Unis, enfin, l'Angleterre, la France, un peu les Asiatiques, et encore déjà là, on trouve déjà moins de personnes. Mais on a la chance, nous, de pouvoir voir des choses qui viennent de vraiment partout. Alors, c'est sûr qu'il y a des pays, on ne nous propose jamais rien, parce que tous les pays ne sont pas dans les mêmes conditions, évidemment, malheureusement. Mais c'est hyper intéressant de voir les sujets qui préoccupent les gens en fonction des endroits où ils se trouvent dans le monde. Donc, non, le cinéma de genre c'est pas juste des zombies, ou des meurtres avec des couteaux. Ou des fantômes, ou que sais-je, c'est bien plus que ça. C'est aussi ça. Et ça peut être très fun, mais ça peut être aussi très très intéressant, hyper riche, hyper profond. Je pense que. Et même parfois dans le cinéma de genre un peu plus mainstream, hein, mais je pense que les petites pépites, on les trouve plutôt en festival quand même. Mais je pense que c'est plus on est dans un système de création marginale et qui est regardé un peu de haut, plus on se trouve dans un microcosme hyper créatif, hyper qui va du coup se permettre beaucoup beaucoup de choses tant que les autres regardent de l'autre côté ce qui se passe dans le mainstream, etc. Dans le genre, on va être beaucoup plus, toujours plus créatif et pousser dans certaines expérimentations, etc. Tant qu'on, voilà, on fait notre truc aussi de notre côté, plus librement en fin de compte que s'il faut rentrer trop dans un chemin mainstream. Donc effectivement, comme dit Thibaut, c'est très 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 riche dans les sujets, comme formellement aussi, il y a beaucoup d'expérimentations super chouettes.
Oui, ce qui est assez formidable avec le cinéma de genre, c'est qu'il y a zéro limite, on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où c'est affranchi de la notion de réalité. Donc évidemment, c'est un terrain d'expérimentation qui est assez fascinant. Et parfois, moi, je me fais le constat que ce qu'on appelle le cinéma de genre a un peu un paradoxe, c'est-à-dire que enfin, nous, de notre côté, et je pense que du vôtre aussi, on travaille beaucoup à essayer d'annihiler cette opposition et cette confrontation entre ce qu'on appelle le cinéma d'auteur et le cinéma de genre, comme si derrière chaque film, il n'y avait pas un auteur. Comme s'il n'y avait pas d'auteur derrière un Star Wars. Donc on passe notre temps à se battre, enfin se battre, à vouloir dire autre chose que ça. Et en fait, paradoxalement, ça nous met dans des formes de niches dont on essaie, on a envie de sortir. Et en fait, paradoxalement, les plus grandes entrées, le plus grand nombre d'entrées en salle, c'est du cinéma de genre. Alors oui, c'est Marvel, c'est Star Wars, d'accord. Mais j'apprécie personnellement, je suis pas du tout en train de dénigrer ces productions-là, mais je veux dire, c'est que c'est aussi un cinéma qui est incroyablement populaire et c'est aussi un cinéma qui est omniprésent. Nous, quand on travaille avec les jeunes publics, on hallucine aussi beaucoup. On reçoit 4 000 scolaires tous les ans et on se rend compte qu'ils vivent au quotidien dans des univers fantastiques, soit le cinéma, la bande dessinée, le jeu vidéo, ils en bouffent tout le temps. Et on se dit d'autant plus notre place est importante à ce moment-là parce que on est là aussi pour expliquer qu'une image ça se travaille, qu'un univers ça se construit, que le fantastique comme n'importe quel autre travail de l'image et de la narration, ça a des codes, ça porte des choses et ça doit être interrogé. Là où effectivement ces regards bouffent des univers fantastiques à longueur de journée. Oui, c'est tout à fait, c'est justement ce que j'allais dire aussi, parce que je pense que justement, le genre, le cinéma de genre est celui où ça te permet le plus d'imagination, le plus de créativité, parce que voilà, tu peux tout inventer, tu peux aller dans n'importe quel monde qui se passe dans ta tête, réel ou imaginaire, n'importe. Et justement, ça se voit aussi, que comme tu disais, Cyrielle, les sorties en salle en ce moment, c'est soit les gros Marvel, Star Wars, ou les films d'horreur. Les films d'horreur, ils gagnent tous les box-office en ce moment. Donc ça, c'est très intéressant à voir parce que je pense que ça stimule énormément l'imagination et c'est pour ça aussi que c'est intéressant pour la jeunesse et de travailler ça avec la jeunesse. Et du coup, il faut, en parlant des productions un peu plus indépendantes, peut-être, on va dire. Et pas que voilà, les Warner, Universal, et surtout en parlant du cours. C'est qu'on doit trouver un équilibre justement avec les gros noms que tout le monde va vouloir aller regarder, qu'on sait qui vont vendre tous les billets, tout ça. Donc, il faut aussi, on donne ce que le public il veut, oui, mais on l'éduque un peu aussi, on va dire entre guillemets, dans le sens où on veut leur montrer aussi ce qu'il y a ailleurs et des jeunes réalisateurs aussi. Donc, trouver aussi, justement, comme disait Thibault, par rapport à des pays qui ont une production cinématographique très petite ou presque inexistante, que ça soit dans le genre ou que ça soit en général, nous, en tant que programmateurs, on fait attention à ça. On fait attention à tout ce qui est minorité aussi, que ce soit des femmes, que ce soit pour des femmes réalisatrices ou des personnes de couleur. Mais ça se fait aussi par rapport justement au pays et par rapport aux thématiques qui sont parlées, qui peut-être sont pas très souvent, on voit pas très souvent dans les salles de cinéma. Donc en tant que festival, on a aussi un peu ce travail de se démarquer justement de ce qui est regardé en mainstream dans les salles de cinéma partout dans le monde. On a une plateforme, quoi. On a une plateforme qu'on crée d'un côté parce qu'on a des gros titres et qu'on peut apporter cette visibilité, et de l'autre côté, du coup, on peut mettre en avant des plus petits titres. C'est clair. Et c'est là où, tu vois, comme Motelix, on fait des séances de courts-métrages expérimentaux où on peut se permettre de faire des trucs où on s'est dit, bon, allez, on a envie, ça va être, bon, on va avoir peut-être se planter total, mais on a cet espace de création et on va tester ça, bah parce que derrière, on a les gros titres qui portent un peu plus le festival et on peut utiliser la plateforme créée, ouais, pour faire la promotion de ces Et puis finalement, films. ça intéresse les personnes aussi, parce qu'on a fait ce travail, cette programmation expérimentale qu'on a commencé avec Célia, on a commencé l'année dernière, donc on a fait juste une année, et on refait cette année aussi.
Et on a quand même, on s'est rendu compte que quand même, il y a de l'intérêt à découvrir des nouvelles choses, des nouveaux univers. Et on a montré un peu de tout et de rien. Célia, elle va chercher des trucs partout, de tout genre. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir. Mais c'est vrai que pour les gens qui nous regardent et nous écoutent, on se connaît, hein, évidemment. On se connaît pour toutes les raisons que Célia vient d'évoquer. On se connaît aussi grâce à la Fédération européenne des festivals de films fantastiques, dont nos 4 festivals font partie, qui est du coup une alliance, une fédération de tous ces festivals qui cherchent à valoriser ces productions-là et à soutenir ces productions-là. Et ça m'emmène sur un autre point qui est que parmi cette fédération, on est les seuls à court-métrage à ne faire que du court-métrage. Ce qui m'amène un peu à la question que j'avais envie de vous poser. Vous, festival qui faites aussi du long, quelle est la place du court dans votre festival? Comment vous le pensez? Alors, je ne suis pas dans le comité des longs métrages, donc je ne peux pas répondre à leur place. Mais ça a toujours. Alors, il y a toujours eu les deux. Il y a toujours eu et du long et du court au festival. Je me suis penché dans les archives pendant de longs mois dernièrement. Donc, je commence à bien connaître l'historique du festival. Mais il y a toujours eu les deux. Après, le truc, c'est que bah, forcément, en 40 ans, le festival a beaucoup évolué. Déjà, en termes d'espace, au tout début, c'était dans une petite salle au centre de Bruxelles. Maintenant, on est au Palais des Beaux-Arts. Puis l'année prochaine, je ne sais pas où on sera, mais on est passé d'un petit truc à quand même un gros festival. Et qui est important aussi dans le calendrier, dans le circuit des festivals. Donc, forcément, c'est pas du tout la même chose qu'avant. Mais je pense que tous les festivals qui font et du long et du court sont d'abord des festivals de long. C'est là-dessus qu'ils mettent quand même beaucoup la priorité. Quand tu invites des gens, tu vas sans doute payer le transport et l'hôtel pour les réalisateurs de long, mais les réalisateurs de court, la plupart, en tout cas dans la plupart des festivals, ils peuvent un peu se brosser, quoi. Donc voilà, heureusement ou malheureusement, ça, c'est en fait les longs métrages et les courts métrages sont deux écosystèmes qui sont complètement différents, qui n'ont pas du tout les mêmes réalités, qui n'ont pas les mêmes finalités, qui n'ont pas les mêmes financements. Les gens, on peut en reparler plus longuement, hein, mais ils font souvent du court en vue de faire du long par la suite. Donc, c'est une porte de vitrine, c'est pour se faire connaître. Du coup, voilà, les réalités entre les deux ne sont pas les mêmes. Mais pour répondre un peu plus précisément et exactement à ta question, au BIF, c'est une centaine, en règle générale, une centaine de longs et maintenant, on arrive à une centaine de courts. Cette année, on était juste en ligne, il y avait une quarantaine de longs et quand même une soixantaine de courts. Donc la proportion était à l'avantage des courts cette fois-ci, mais d'habitude, c'est plutôt 50-50 quand même. Ouais, en plus, en virtuel, c'est vrai que ça se consomme un peu différemment. Les courts-métrages se consomment plus facilement, en fait, bizarrement, en virtuel. Et non, c'est un peu différent, surtout qu'on notre attention sur notre écran et sur notre ordinateur est plus courte. Donc les courts-métrages, ça se consomme mieux. Moi, pour ce qui est de Fantasia, alors nous, on est un petit peu, c'est un petit peu mélangé. On a 120 à 130 longs-métrages, et c'est vrai qu'ils prennent énormément de place. Effectivement, d'un point de vue financier, c'est ce qui va générer un peu plus d'intérêt, plus de presse, etc. Donc, qui est un peu plus mise en avant. En termes de programmation, en fait, on n'a pas de programmateur attitré au cours. Du coup, on est tous à la recherche et de long et de court. Et donc, ça, c'est assez rigolo. Parce que c'est vrai que je fais aussi de la programmation. Motelec, je fais de la programmation juste court et je ne m'occupe pas du tout des longs. Et je travaille aussi pour Courts-métrages, qui est un festival spécifiquement de courts-métrages indépendants à Bruxelles. Et donc, je travaille aussi pour un festival uniquement de courts-métrages. Et donc, la particularité de Fantasia, en tout cas, c'est on a des longs, on a des courts, mais en termes de recherche et en termes de programmation, on fait un peu des deux. Et du coup, ça...
ça nourrit vachement un peu justement la façon dont on suit les cinéastes qui justement peut-être vont passer du court au long. Hein, il y en a peut-être un qu'on va suivre pendant longtemps et qui fait du court et qu'on va suivre après. C'est ce qui vient de se passer à Fantasia. Ça fait des années qu'il y a un cinéaste qui fait ces 4 ou 5 cours que j'ai programmés dans presque tous les festivals où j'ai mis plus placer ses films. Et là, ça y est, je fais la première mondiale de son premier long métrage. Donc ça, c'est assez chouette de pouvoir suivre ses carrières. Moi, j'aime bien aussi, effectivement, il y a le côté carte de visite du cours qui est super important. J'aime bien aussi des cinéastes qui s'intéressent vraiment beaucoup au cours en tant que format et sans nécessairement se dire que ça va être un tremplin pour le long. Enfin, il y a pas mal de cinéastes, un de mes préférés qui fait encore du cours maintenant, même après avoir fait du long, c'est Mandico, et qui s'intéresse de toute façon au format court là-dedans. Donc ça, j'aime bien suivre ce genre de cinéaste. Mais voilà, et alors en plus de ça, à Fantasia, on a ce qu'on appelle les Fantastic Weekends du cinéma québécois, qui est un festival dans le festival. Et là, on parle de 200 courts-métrages québécois fantastiques spécifiquement. Donc du coup, nous, en termes de chiffres, ouais, on a 120 longs-métrages, mais en fait, on peut se retrouver à 300 et plus courts-métrages. Donc du coup, c'est très étrange comme équilibre et de la façon dont ça se répartit. Quand on trouve un cours qu'on aime, on va soit essayer. On a des programmes courts qui sont réguliers. On a Small Girl Trauma, on a International Science Fiction, on a Born of Women. Enfin voilà, des blocs qu'on trouve tous les ans. Circo Animato, qui est le bloc de cours d'animation, etc. Ou alors on va le placer avec un long métrage, dépendant de. Il y a un dialogue qui s'opère entre les deux films. Mais on crée constamment aussi des blocs de cours. Cette année, j'ai créé 2 blocs de cours. Un bloc de cours documentaire de cinéma de genre et un bloc de cours érotique fantastique. Et donc, moi, ce que j'aime bien dans la programmation court et que je ne peux pas faire dans le long, c'est de voir les films qui viennent un peu à moi ou alors que je vais trouver sur mon chemin et de me dire « Ah tiens, ça commence à s'imbriquer dans quelque chose de cohérent et il y a quelque chose qui prend forme et tiens, je peux créer… » Ah bah, est-ce que j'ai fait pour le bloc de cours érotique où tout d'un coup, j'en vois un là, puis un autre là, puis au départ, j'y pense pas du tout et puis tiens, j'en vois un troisième et puis un quatrième, puis là, je me dis « Non mais là… » Là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à créer. Et voilà. Donc, ouais, à Fantasia, ça s'opère un petit peu bizarrement, mais c'est comparé à d'autres festivals pour lesquels j'ai bossé, c'est assez. Ça laisse une grande place à la création en termes de programmation pure. C'est assez chouette. Chez nous, à Motelix, donc, on a toujours eu les longs et les courts aussi dès le départ. C'est vrai que je pense comme un peu partout, comme Célia disait et Thibaut aussi, si on pense à un niveau financier, c'est vrai que le long, c'est toujours celui qui est un peu plus mis en avant par rapport aux invités, mais aussi par rapport justement au retour de presse et tout ça. Mais pour nous, le cours a toujours été très important parce qu'on voit le cours comme souvent un point de départ pour les réalisateurs. Et donc, avec l'objectif qu'on avait de toujours pousser la production nationale, donc le cours était très, très, très important de toujours l'avoir dans le festival parce que, voilà, c'est souvent avec les peu de moyens, c'est souvent un cours qu'on va faire et on ne va pas se lancer directement dans un long. Et donc, on comprend ça. Et donc, même si c'est vrai que niveau presse et peut-être niveau de ce qu'on parle plus souvent, on va parler plus souvent des longs, mais on donne quand même une très grande place au cours. Et j'ai même envie de dire, c'est vrai que je n'ai pas les chiffres exacts à vous donner, mais j'ai même envie de dire que chaque année,
on a plus de cours que de langues. Si on va compter les films de toute la programmation, on en compte plus de cours parce que entre les cours de la compétition nationale, les cours internationaux, les cours expérimentaux maintenant, et on a aussi une section déjà depuis plusieurs années de ce qu'on appelle micro-cours, donc c'est des courts-métrages de jusqu'à 2 minutes qui sont faits avec les nouvelles technologies, donc téléphone, iPad et maintenant webcam. Cette année, on commence à accepter des films qui sont faits à travers Zoom, par exemple. Donc, avec tout ça ensemble, c'est vrai qu'on en a plus des cours à la fin que des longs. Et puis, on fait les cours, on les met en avant dans des blocs aussi. Tous les jours, on a un bloc de court-métrage à une heure spécifique, mais aussi on les met toujours avec des longs. Donc chaque long métrage est toujours précédé par un court métrage, qu'il soit national ou qu'il soit international. Ça, après, on regarde. Et au niveau de la programmation, nous, on a une équipe spécifique pour les courts métrages, internationaux. Et après, on a des personnes qui font un peu les deux, comme moi, par exemple. Moi, je fais les longs aussi, mais je fais aussi les cours. Et puis, pour la compétition nationale, on essaye que tout le monde, que tous les programmateurs, ou presque tous, tous les programmateurs portugais, parce qu'on collabore avec plusieurs programmateurs internationaux, mais tous les programmateurs portugais, on essaye qu'ils fassent partie de la sélection des courts-métrages portugais pour la compétition. Donc, le cours a toujours été très, très, très important pour Motelix. Et je pense que malgré tout, on a toujours fait un très bon travail de le mettre en avant, même si c'est clair que c'est plus facile de vendre un long qu'un court à la base. Mais en sachant que c'est le point de départ pour presque tout le monde, c'est presque un devoir. C'est presque un devoir pour nous de faire tout ce qu'on peut pour les mettre en avant. Nous, on n'a pas une programmation aussi grande que, par exemple, Fantasia ou même le BIF. On n'a que 6 jours de festival, donc on est beaucoup plus condensé. Donc, ce qui nous permet aussi peut-être un peu moins de liberté pour montrer tout et n'importe quoi. Mais on essaye tout ce qu'on choisit, on essaie de mettre en valeur le plus possible. Et je t'en prie, vas-y. Et j'allais rajouter en plus que les spectateurs de cours sont pas nécessairement les mêmes spectateurs de long. Ça se consomme de manière différente et parfois il y a des spectateurs qui regardent spécifiquement des courts-métrages ou qui viennent spécifiquement pour les séances de courts-métrages, qui s'intéressent peut-être un petit peu moins au long déjà. Donc en plus, imaginons que le BIF, Motelex et Fantasia décident de plus passer de court-métrage du tout, on perd énormément, on perd toute une partie de nos spectateurs qui viennent en fait un peu juste pour ça. Et aussi, j'ai noté à quel point les spectateurs variaient encore plus au niveau des courts que des longs. Et j'ai l'impression, je me suis fait une idée en les observant un peu. C'était des gens qui avaient l'air d'être peut-être moins branchés dans le cinéma de genre, mais qui risquent moins parce qu'ils vont voir quelques cours et qu'ils sont moins investis, contrairement à « je vais voir un long de 1h30 ou 2h ». Et donc, il a intérêt à me plaire et c'est un film de zombies de 2 heures. Je m'engage à voir ce film de zombies de 2 heures. Est-ce que je vais aller picorer une séance 6 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et puis, etc. Il y a un peu plus un aspect de découverte. Donc, j'ai l'impression que les spectateurs sont beaucoup plus variés en âge, en background, etc. Et que c'est des spectateurs très curieux et qui ont envie de découverte. Encore plus que du côté des longs, donc ça c'est assez rigolo à ce moment-là.
Je voulais juste rajouter pour rebondir sur Célia parce que justement nos blocs de cours, c'est ce qu'on appelle, bon, on n'a pas de traduction officielle en français, mais c'est les cours pour déjeuner. Et donc c'est toujours à l'heure de déjeuner et pendant la semaine, parce que Cyrielle et Célia, vous êtes déjà venus chez nous, donc vous le savez, mais notre festival se tient dans une des avenues principales de Lisbonne. Et donc pour déjeuner, on a des gens qui viennent pendant leur pause déjeuner, justement en semaine, qui viennent du travail en costard ou n'importe comment, qui viennent regarder pour découvrir, justement comme Célia le disait, c'est un peu plus une séance de découverte, alors que pour les longs, les gens ils savent un peu plus spécifiquement ce qu'ils vont regarder, le genre de film qu'ils vont regarder, et ça c'est... Et on rigole toujours un petit peu quand on voit les hommes en costard ou les femmes qui viennent. On a juste une petite heure de pause, on va regarder la séance et après on doit retourner au travail. C'est très rigolo à voir. Mais c'est vrai que le court-métrage, c'est aussi de la découverte dans le double sens. Nous, on le voit bien sur le public court-métrage, quand on discute avec eux, quand on écoute les retours. Ce qui les intéresse beaucoup, c'est le côté très éclectique de ce qui constitue une séance de court-métrage. Chez nous, elles sont assez courtes, hein, elles durent 1 heure, 1 heure 10 pour que le public puisse ressortir en ayant le souvenir du premier qu'il a vu. Voilà, c'est quand même déjà important, mais c'est une double découverte parce qu'effectivement, pour le public, je suis d'accord avec vous, on entend assez souvent cette appétence pour « je ne sais pas ce que je vais voir ». Et j'y vais, et il va y avoir plein d'univers différents, plein de propositions techniques différentes, plein de propositions politiques, sociales, artistiques différentes. Ça ne va pas du tout me parler de la même chose à chaque fois et je vais jongler d'un univers à l'autre comme ça sur 1 heure et autre. Mais c'est aussi une découverte professionnelle, c'est-à-dire que nous, on est des diffuseurs de façon générale, même si on a tous des programmes de professionnalisants et professionnalisés, etc. Mais on est avant tout des diffuseurs en tant que festival. Et en même temps, on est un outil de légitimation et de validation tellement important pour la carrière d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui n'a pas encore fait de long et qui peut-être n'en fera jamais par choix ou par changement de carrière, mais peu importe. Mais pour ses débuts de carrière, entre guillemets, parce qu'évidemment, on ne commence toujours pas ça. Personne ne commence par un long métrage. Ça n'existe pas, entre guillemets. Donc, on est aussi cet outil de découverte et de légitimation incroyablement important. C'est vrai que pour pouvoir faire financer ton prochain court-métrage, voire ton prochain long, on regarde où est passé déjà ton court-métrage en festival, combien de festivals il a fait, est-ce qu'il a fait ce qu'on appelle ces fameuses carrières du court-métrage, c'est-à-dire tourner pendant une saison dans tous les festivals possibles du monde. Nous, je sais qu'on est, on est catégorie 1 au CNC, donc on est labellisé comme le Festival de Cannes est labellisé, c'est-à-dire qu'on épargne les choses techniques, mais on donne des points à tous les des points pour le CNC et pour les aides à la diffusion, à la production des prochains projets, sur tous les films qui passent chez nous, et a fortiori s'ils sont primés. Donc on est des leviers, on n'est pas des leviers tout seul, jamais, mais avec nous tous, festival, on devient des leviers extrêmement importants pour ces constructions de carrière. Et c'est dans ce sens-là où je pensais cette double découverte du public, oui, qui a priori va rechercher ça. Probablement pas tous, mais il y a une tendance comme ça à aller rechercher cette surprise et cet étonnement à découvrir des mondes différents dans une séance de cinéma. Il y a plein de choses. Et cette découverte, entre guillemets, pour les carrières de ces jeunes réalisateurs et réalisatrices, jeunes en carrière, hein, pas forcément en âge, qui débarquent avec leurs cours et qui viennent nous les soumettre avec le « allez, passez-le chez vous, quoi ». Faites votre taf de diffuseur, de légitimité, de rencontre avec le public, passez-le chez vous. Ce qui m'amène un peu à la question de, il y a des critères pour être diffusé dans vos festivals? Comment ça se passe quand on balance un film? Donc nous, vas-y Zahra. Merci. Donc nous, pour les cours, c'est vrai que la plupart, c'est des inscriptions qu'on reçoit sur Film Freeway, par exemple. Mais on va aussi un peu à la recherche. Donc voilà, comme on disait avant, on regarde les catalogues des autres festivals, on va dans les marchés de films à Cannes ou à Berlin. Donc on fait attention aussi à ça. Mais on a la plupart de nos inscriptions, c'est pour des cours justement. Donc on a toujours un catalogue énorme d'inscriptions à regarder, à faire le tri.
Et en fait, on n'a pas vraiment un gros critère de sélection dans le sens où le principal pour nous, c'est toujours la qualité, bien sûr, si on aime ou si on n'aime pas. Après, on fait attention, comme on disait déjà avant, on fait attention aux thématiques, à la diversité, parce que par exemple, nous, et je pense que ça doit être un peu pareil partout, mais on a une grande majorité de films provenant par exemple, des États-Unis ou du Royaume-Uni, par exemple. Je pense que pour nous, c'est les plus gros après France, Espagne, pas très loin. Et donc, on fait attention à ça, juste pour une question de diversité. Mais en fait, le critère, c'est surtout la qualité qu'on juge entre nous, on discute entre nous, parce que voilà, les goûts de chacun peuvent être différents. Mais voilà, on n'a pas, par exemple, des thématiques chaque année. Le festival, il n'a pas une thématique générale chaque année auquel on doit faire attention par rapport à la programmation, par exemple. On ne pense pas forcément est-ce que celui-là va coller bien avec celui-là. Ça, c'est les blocs, c'est quelque chose qu'on construit vraiment qu'après, une fois qu'on a fait notre sélection. Donc moi, je dirais qu'on n'a pas forcément de critères. On regarde, on en discute. Le seul critère peut-être c'est aussi par rapport à l'année de production. Donc nous on a ça c'est vraiment une règle chez nous, c'est que on prend que des, et ça c'est pour les longs et pour les courts, on prend que des films qui soient de l'année de l'édition même ou de l'année précédente. Donc avant ça pour nous voilà on considère plus. Donc ça c'est la seule règle on va dire par rapport à la sélection qu'on a. Après c'est plus une question de la qualité du film, mais surtout de la diversité, que ça soit par rapport à l'équipe du film ou par rapport aux thématiques. On fait attention aussi à ce qui est des thématiques d'actualité, comme Thibaut en parlait tantôt. Par exemple, maintenant je ne me souviens d'aucune thématique pour dire, mais bon, pour dire ça spécifiquement, j'essayais de penser à quelque chose qui était venu récemment, mais il n'y a rien qui me vient. Mais voilà. Confinement. Quoi ? La thématique du confinement. Ouais, voilà. Bon, par exemple, la thématique. On en aura quelques-uns sur l'année prochaine, là. Ouais. Voilà, par exemple ça, mais sans y en aller trop, parce que par exemple la thématique du confinement, je pense que tout le monde en a marre maintenant. Non, c'est clair. Mais voilà, ça serait par exemple une thématique à prendre en compte par rapport à l'actualité pour que ça en parle aux gens aussi, pour que ça en parle aux personnes qui sont en train de regarder les films. Donc on essaie de faire ce genre de curation dans notre programme. Nous non plus, je dirais pas vraiment qu'il y ait des critères, si ce n'est certains critères plus techniques, comme la durée, notamment pour les films en compétition européenne. La compétition nationale à Motelix, les films qui concourent pour le Méliès d'argent de la fédération, là on a un critère de 25 minutes. Et du coup, je me casse pas. Je fais au plus simple, je fais 25 minutes pour toutes mes sélections. 25 minutes, ça peut déjà être très long pour certains films. Du coup, ça, c'est le critère principal. Effectivement, l'année de production aussi. Donc, le BIF, c'est début avril, fin mars, début avril, ça dépend des années. Donc, on accepte les films jusqu'à janvier de l'année précédente. Parce que forcément, comme on clôture les sélections fin janvier chaque année, c'est compliqué d'avoir des films de la nouvelle année. Il y en a toujours quelques-uns, hein, mais voilà. Et pour le reste, c'est exactement comme Sarah l'a dit, je ne vais pas pouvoir dire beaucoup de choses en plus, parce que ça reste vraiment des choses qui marquent, en fait, de manière générale. Et faire une sélection, ce n'est pas juste prendre les films qu'on a préférés. En fait, souvent, au moment où on décide de faire la sélection, qu'on a tout vu, parce que nous, on fait en court-métrage, je ne sais pas vous, mais on ne fait pas la sélection petit à petit en fonction de ce qu'on voit.
on fait vraiment la sélection quand on a tout vu. Comme ça, on a une idée générale du niveau, parce qu'au début, il y a peut-être des films que tu vas voir au début de ta programmation, enfin au début de la période de soumission. Tu vas te dire, ah ouais, c'est pas mal. Et puis en fait, tu vois le reste, tu vois le niveau du reste, et tu fais, ah bah finalement, c'était peut-être pas aussi bien que ça. Donc voilà, quand tu vois le niveau général, il y a peut-être parfois des films qu'on a tous aimés, et au final, on va peut-être pas le prendre, parce qu'il y a peut-être un film qu'on a un peu moins aimé, mais qu'on estime être plus pertinent pour telle ou telle raison. Hein. Ça peut être des raisons purement artistiques, comme ça peut être des raisons évidemment thématiques. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de règle absolue. On ne regarde pas non plus le genre de la personne qui réalise le film au moment de faire la programmation. Ça peut venir quand on a deux films, quand on hésite entre deux films, et après on regarde un peu tous les éléments. Mais au moment de choisir vraiment, ce n'est pas un élément qu'on prend en compte, parce que ce qui compte le plus, ça reste, et c'est toujours le film. Après, évidemment, on prend des films qui touchent à tout cela. Et on a de plus en plus de films de réalisatrices, donc ça, c'est cool. Mais ce n'est pas un critère. Oui, c'est un faux. Ça peut être un argument de discussion à un moment, mais c'est compliqué que ce soit un vrai critère. Ouais. Bah alors, moi j'allais dire, je ne suis pas d'accord avec aucune de ces choses-là. Je fonctionne un peu à l'opposé de tout ça. Bah, déjà, il y a plusieurs points. Ouais, déjà, pour expliquer, du côté de Fantasia, nous on a un comité de sélection déjà, parce qu'on reçoit, là, cette année on a reçu 1838 films donc à voir, et il faut que le film soit vu par 3 personnes minimum, donc on va avoir 3 avis différents du comité de sélection. Dont Sarah fait partie d'ailleurs, et une fois que ça s'est vu et que ça passe un premier filtre, on va dire, de la part du comité de sélection, on passe après à une vraie réflexion de programmateur, et on se dit, voilà, est-ce que on cède des notes du comité de sélection, et on passe à la programmation en soi. En ce qui concerne la durée, moi, ça, c'est mon, c'est mon grand champ de bataille, parce que je connais les règles de la fédération notamment, et des compétitions et des choses comme ça. Je comprends les enjeux de la durée d'un film. Cela dit, surtout quand je m'adresse à des cinéastes, je ne vais jamais dire oui, vas-y, fais ton cours de n'importe quelle durée, tu peux dépasser les 30 minutes, etc. C'est une bonne idée. Je ne vais jamais dire ça à un cinéaste, parce que je sais que la plupart des programmateurs fonctionnent en fonction de ce critère-là. Donc, je ne vais pas les encourager à ça. Je sais qu'il y a des réalités à ce niveau-là. Mais ceci dit, quand je parle à beaucoup de programmateurs, j'essaie toujours de pousser vers le « on arrête avec la durée limitée de 25 minutes », arrêtons, parce que on n'est pas une galerie d'art où on se dit « à la limite, si j'étais une galerie d'art et que je reçois un tableau qui est plus grand que mes murs, je peux me dire, bon, ouais, là, effectivement, bon, ça, juste, ça rentre pas sur mes murs. mais à la limite, est-ce que je vais peut-être louer une autre salle ou agrandir un mur, etc. En cinéma, c'est pas tant le cas que ça. On peut se limiter soi-même à se dire, bah, je veux faire un bloc de court-métrage de 60 minutes parce que ça peut avoir du sens en soi. Et puis peut-être que je suis financièrement limitée par la location de ma salle, et que ma salle, elle est disponible que pendant 1 heure ou 1h30, et je ne vais pas avoir le temps de montrer plus. Il y a tous ces aspects-là, c'est clair et net. Mais le problème, c'est qu'après, on passe à côté d'un tout un pan du cinéma de 25 minutes à 60 minutes qui existe. Et où il y a énormément de très très belles créations qui sont faites, et je pense que c'est un devoir de leur trouver de la place déjà, et de se dire, bah voilà, moi ce film je l'aime, il a tout ce qu'il faut, et il dit ce que j'ai envie de montrer, il est pertinent, mais il dure 35 minutes, je vais lui trouver une place, je vais créer une place pour ce film, et par exemple, un des meilleurs exemples que j'ai en tête, c'est celui d'un ciel bleu presque parfait, qui est devenu le long métrage
tous les dieux du ciel de Quartz. Moi, j'ai pris à Fantasia dans son format de 35 minutes parce que je croyais énormément à Quartz et au potentiel qu'avait ce film. Et résultat, c'est devenu un long. Et par ailleurs, qui n'est même pas passé à Fantasia, qui est passé partout sauf à Fantasia, et qui a été sélectionné dans tous les festivals, qui n'avait pas sélectionné le pour parce qu'il était trop long. Donc là, on est dans une sorte de paradoxe un peu. Donc c'est dommage. Mais je sais, je connais les réalités du marché aussi, que voilà, un format d'au-delà de 30 minutes, enfin au-delà de 25 minutes ou quoi, c'est un format un peu bâtard, un peu bizarre, on ne sait pas trop comment le vendre ou le placer, etc. Et voilà, mais on a, je pense qu'on a un devoir de laisser cet espace aux réalisateurs. Il y a aussi, entre la durée, il y a le running time, mais il y a aussi la durée ressentie. J'ai vu des films de 5 minutes que j'ai trouvé incroyablement longs et ennuyeux et qui sont passés beaucoup plus lentement qu'un film de 35 minutes comme le film de Quartz qui, pour moi, on ne ressent pas les 35 minutes du tout. Donc, après tout, je sais très bien que les 35 minutes, je vais pouvoir le placer dans mon blog de cours parmi d'autres qui sont plus courts, etc. Tant que j'ai une balance en termes de tonalité et de rythme, en fait. Et moi, mon critère, c'est le rythme, en vrai. Mon premier critère à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça fait des... Pardon, excuse-moi. C'est vrai que si vous parlez aux réalisateurs et réalisatrices qui veulent rentrer en compétition dans les festivals, effectivement, il faut être conscient que dépasser ces 25 minutes, ça fait aussi que le film est regardé avec un regard plus dur, entre guillemets. Parce que nous, je sais qu'à Court-Métrage en compétition, on accepte jusqu'à 40 minutes. On prend jusqu'à 40. Après, on ne va pas plus loin parce que sur une séance d'une heure 10, on ne peut pas mettre un film de 50 minutes. C'est plus une séance de cours, quoi. Donc, on monte jusqu'à 40 minutes. Et d'ailleurs, Un ciel bleu presque parfait, on est un très bon exemple. Il a pris le Grand Prix Court-Métrage chez nous. Et on a diffusé le long quand il est sorti sur une séance spéciale du cours au long, quoi. Mais ce film illustre bien, c'est-à-dire que quand on s'approche dangereusement de la trentaine de minutes pour être sur les marchés de carrière des courts-métrages en festival, on sait qu'on met sur son film un poids qui va être celui-là, il va être dur à caser. Donc je vais être scrutée, regardée et analysée avec des programmateurs qui vont avoir une énorme exigence sur la qualité du film que je propose. Quark, c'était un bon exemple. Nous, on se dit souvent en comité de sélection parce qu'on en reçoit des très longs, j'ai l'impression. Bon, c'est pas une très bonne analyse, c'est très empirique, mais que c'est de plus en plus long, les films que nous, on reçoit, et que les durées s'étendent, mais que, quoi que c'en est un très bon exemple, on se dit souvent au comité de sélection, quand ça frôle les 30 minutes, il faut un peu que ce soit un chef-d'œuvre, un petit chef-d'œuvre, parce que du coup, ça va être un pilier de séance extrêmement fort en termes de durée, et du coup, il faut que ça envoie, ça peut avoir des défauts, quand je utilise le terme chef-d'œuvre, c'est il faut que le film ait un intérêt extraordinaire, même avec ses défauts, pour qu'il puisse devenir un pilier de séance avec un temps aussi important sur une heure dix. Quand il y a un 35 minutes qui tombe, il faut qu'il porte le reste aussi, qu'il n'écrase pas les autres ou qu'il ne se fasse pas tuer par sa durée. Voilà, il faut, parce que c'est aussi pas leur rendre service au film quand on présente au spectateur 35 minutes. Il faut que le film soit capable de les encaisser, ces 35 minutes. Si le film les encaisse, le spectateur l'encaisse. Et comme tu le disais, Célia, ressenti 10 minutes. Ça m'arrive tout le temps de regarder des 12 minutes en me disant « Mon Dieu, mais ça fait combien de temps que je regarde ça? C'est pas possible. » Et regarder des 28 minutes en me disant « Waouh, 28 minutes, putain, fait chier, ça va être chiant à caser en séance. Mais il est super ce film. » Exactement. Ça, on se le dit tout le temps. On se le dit tout le temps. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai que pour la compétition, j'avais pas fait cette remarque, mais pour la compétition, on a aussi la question de la durée, que ça soit la compétition Méliès et notre compétition nationale, elle est même, elle va que jusqu'à 15 minutes.
Mais après, on a la section de cours internationaux hors compétition où là, on laisse jusqu'à 59 minutes justement pour caser ces petits chefs-d'œuvre, comme tu disais, Cyrielle, qui vraiment nous marquent et qui sont difficiles à caser, mais on veut vraiment les montrer. Mais c'est des exceptions. C'est vrai que c'est des exceptions. Voilà, mais encore une fois, mon critère, ça va être le rythme avant tout, plus que la durée. Et pour ce qui est des femmes, des minorités, ou en tout cas de l'identité des cinéastes, pour moi, c'est super important à prendre en compte. Ça n'est pas un critère de sélection dans le sens où je ne sélectionne pas parce que c'est réalisé par une femme, mais c'est absolument, absolument quelque chose qui est là dès le départ, parce que ça me permet. Au fur et à mesure que ma programmation se construit, de m'assurer que j'ai bien fait mon travail de recherche, que la représentation au final, le résultat final en termes de représentation, ça sera là, et que justement, plus j'avance dans la programmation, enfin, Sarah, elle le sait, tu vois, en expérimental, je remarque, je me dis, tiens, moi, là, j'ai trop d'âme, j'ai juste trop d'âme dans ma programmation, et la représentation n'est pas là, et j'ai besoin de montrer qu'il y a un effort qui est fait, qu'il y a un travail qui est fait, qu'on est conscient de cette situation et qu'on est très proactif par rapport à ça. Et donc, à partir du moment où je vois que, au fur et à mesure que la programmation se fait, il me manque des réalisatrices ou d'autres types de critères, soit de minorités, soit de pays. Hein, j'ai trop de films américains, j'ai trop, etc. Bah là, je me mets à la recherche de ça spécifiquement. Et là, tout d'un coup, je vais envoyer quelques mails. Tiens, est-ce que t'as pas des réalisatrices à me proposer, et particulièrement parce que aussi moi qui m'occupe spécifiquement, en fait, je suis coordinatrice des soumissions en plus à Fantasia, en plus de faire de la programmation, donc je vois je fais un peu des stats et je m'intéresse un peu à voilà qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qu'on reçoit, etc. Et pourquoi est-ce qu'on reçoit moins de films faits par des femmes? Pas parce que nécessairement il y en a moins, enfin oui, il y en a moins qui sont produits, enfin, aujourd'hui un peu plus, ça commence un peu à bouger, mais il y en a moins qui sont produits. Mais pourquoi est-ce que, comparé à ce qui est produit, il y en a moins qui envoient leurs films? C'est parce qu'elles ne sont pas assez encouragées, ou parce que, par exemple, elles peuvent considérer que tiens, ça c'est un festival de films fantastiques, mon film n'est pas si fantastique que ça, ou c'est pas vraiment un film de genre, donc je sais pas, voilà. Et de faire ce travail d'accompagnement, d'encouragement et de les inciter à soumettre leur film, c'est super important. Et donc quand je sais ce que j'ai déjà reçu et ou sélectionné, je sais là où je peux redoubler d'efforts et poursuivre des recherches ou pas, etc. Donc c'est pas un critère de sélection, mais c'est un critère super important que je recherche, et voilà. Moi, j'aime pas qu'on dise que c'est d'abord la qualité d'un film que je recherche plutôt que de l'identité du cinéaste, parce que en fait, enfin Thibaut, je te pointe pas du doigt ou quoi, mais c'est un discours que j'entends souvent et j'essaye de défendre un peu l'idée que en fait c'est anti-productif comme argument, parce que ça met de côté qu'il y a un problème, en fait. Non, bien entendu que je cherche la qualité, entre guillemets, bien entendu que je cherche un film qui me plaît, et ça n'est pas lié au fait, encore une fois, c'est pas un critère de sélection, donc c'est pas lié au fait que je vais le prendre ou pas le prendre, c'est pas connecté.
Oui, je vais prendre un film qui va me plaire. Donc c'est pour moi, c'est dévier le problème en fait. Et comme si, bah non, en fin de compte, mon vrai focus, c'est un film qui me plaît. Oui, ça sera toujours ça. Mais il y a un problème. Il y a un problème de représentation du côté des femmes et plein d'autres backgrounds de cinéastes, etc. Donc il faut absolument y travailler et être très 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 conscient de ça des soumissions jusqu'à la sélection à mettre en avant absolument. Et moi, quand j'envoie mes informations, les informations des films soumis à mon équipe de programmation, c'est une des colonnes, c'est pays, et une des colonnes, c'est genre. Et je veux qu'ils sachent, je veux qu'ils conscientisent ça, en fait, dès le départ. Et c'est pas facile. Moi, je travaille principalement avec des hommes. Et en fait, ma colonne genre, effectivement, ça, c'est un peu le truc qui passe un peu à la trappe. Et j'ai beau dire que, non, mais il y a un travail à faire là-dessus, c'est très, très difficile. Ben, je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire, parce que moi aussi, dans mon comité de programmation, c'est mon rôle justement de transmettre toutes les infos et je fais exactement la même chose. Je fais aussi une colonne genre. Après, bon, moi, c'est quand même quelque chose à laquelle je fais plus particulièrement attention que d'autres de mes coprogrammateurs, si je puis dire. Mais clairement, je veux que tout le monde ait toutes les cartes en main aussi quand on Et programme. justement, en fait, c'est ça le problème, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les cartes en main du côté des cinéastes. Les femmes réalisatrices sont moins produites, moins bien produites, et sont dans des situations de travail et de production qui sont très difficiles, très problématiques comparées à des hommes. Et donc, par exemple, je vais jamais faire de discrimination positive. Encore une fois, je vais jamais prendre le film parce que c'est une femme, mais je l'aime un peu moins bien. Mais à garder en tête que, de par cette domination masculine jusqu'ici dans le cinéma et partout, les hommes ont eu jusqu'ici l'occasion de pouvoir faire des films, s'entraîner, évoluer, être vu par des spectateurs et refaire des films, réévoluer, etc., etc. On leur a donné cette plateforme, on leur a donné cette occasion de travailler et de développer leur art, mais pas encore assez les femmes. Les femmes restent encore beaucoup trop marginalisées parce qu'elles n'ont pas, on leur donne pas les mêmes moyens, et que donc bien sûr que ça va être quelque chose qui va être dans ma tête, de me dire ce film est réalisé par une femme, est-ce qu'il est mieux produit que cet homme? Mais moi, je veux lui donner cette chance-là de pouvoir être exposée aux spectateurs, etc., parce qu'elle n'a pas eu jusqu'ici cette plateforme, et que c'est une fois que je vais lui donner cette plateforme qu'elle va pouvoir évoluer, etc. Donc, de conscientiser qu'on est toujours, malgré tout, plus difficile envers les films réalisés par des femmes, en fin de compte. En fait, les femmes doivent se prouver encore plus, de dire aujourd'hui, j'ai fait un film, mais c'est seulement parce que mon film est excellent qu'il a été programmé, et pas parce que je suis une femme. Elles ont encore plus cette difficulté-là, en fait. Comme si elles devaient encore plus prouver leur valeur, ou leur enfin la raison
Je pense que voilà. C'est important aussi de dire que, par exemple, quand on parle de la qualité d'une programmation, ce n'est pas forcément de la qualité au niveau technique ou au niveau de la valeur de production. C'est justement la qualité, c'est justement par rapport à la diversité du programme. C'est ça qui fait une programmation, une bonne programmation, c'est justement ça. Et parce que, comme tu le dis très bien, Célia, que ce soit pour des femmes réalisatrices, ou, mais même aussi pour d'autres minorités, et comme on en a déjà parlé, avec des pays qui ont moins de moyens, qui n'ont pas vraiment énormément de soutien pour la production cinématographique. Donc, il y a tout ça à tenir en compte, et c'est ça qui fait la qualité du programme. Donc, moi, personnellement, en parlant pour moi, quand je parle de la qualité d'un film, ce n'est pas forcément voilà, niveau effets spéciaux ou parce qu'il a l'air hyper beau, ils ont utilisé les meilleurs, voilà, les meilleurs moyens de post-production ou quoi que ce soit. Ce n'est pas vraiment de ça que je parle. Il y a ça aussi, bien sûr. Mais c'est aussi par rapport justement au travail qui est fait. Et comme tu disais, c'est un film qui me plaît. Donc, c'est ça que je vais vouloir pousser. Et c'est déjà arrivé où il y avait des films où clairement, je pense par exemple, plus récemment, qu'on a eu par exemple l'Afrique du Sud ou même l'Iran ou l'Afghanistan, on a déjà eu quelques-uns. C'est vrai que très très peu, mais c'est aussi parce que voilà, c'est pas une production très 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 grande, mais où clairement niveau technique c'est peut-être pas la même qualité, mais voilà, il y avait on a vu quelque chose dans ces films-là que on a voulu mettre en avant et mettre ensemble avec d'autres films qui ont peut-être été faits avec des, bon, je ne vais pas dire des millions, mais voilà, avec des budgets 10 fois plus grands. Et c'est ça, pour moi, c'est ça la qualité d'une programmation. C'est ça la qualité d'un film aussi. Et parce que, voilà, ça, c'est ce que tu disais, c'est le plus important, c'est que ces minorités ont moins d'opportunités. En général, ont moins d'opportunités, donc faut pas les mettre de côté parce que voilà, il n'y a pas les meilleurs, le meilleur montage final, on va dire, si je peux dire ça comme ça. C'est ce que on se dit nous ça souvent en comité, c'est-à-dire que tu prends le package en entier du film, c'est-à-dire c'est évidemment que c'est pas qu'une question de qualité technique qui sont parfois des éléments objectifs qu'on peut observer. En fait, on fait pas de l'analyse. La question n'est pas juste quand tu es programmateur de faire de l'analyse filmique sur l'ensemble des films que tu reçois pour savoir qui va avoir la meilleure note sur le travail exécuté. C'est vrai que c'est pas du tout ça, mais nous on se pose toujours vraiment souvent, on se dit qu'est-ce qu'il raconte ce film. Il y a des choses d'une qualité technique extraordinaire qui racontent rien du tout. Et comme il y a des choses qui sont faites avec un smartphone qui changent ta vie et tu te réveilles la nuit en repensant encore à ce que tu viens de voir. Donc ça, c'est assez ouf. Et moi, je pense très profondément que parfois, ce que raconte un film, c'est aussi... c'est une femme qui l'a réalisé. C'est aussi quelque chose que raconte le film. Ou c'est sur un film saoudien. C'est aussi quelque chose que le film te dit quoi, quand tu le regardes. Et ça transcende en fait assez rapidement la question de la qualité technique de la réalisation, de la photo, du montage, etc. Notre travail de diffusion et de valorisation effectivement prend toute sa réalité et toute sa force par ces interrogations là et parce qu'on prend le package complet de nous. Ça nous a arrivé de mettre en avant un film qui effectivement avait des faiblesses techniques évidentes mais avec une vraie idée, et le loulou il a 18 ans, il dit mais grave, carrément, viens, prends une place là, parce que toi, du haut de tes 18 ans, tu viens de sortir un truc avec l'idée de l'année, quoi, le truc extraordinaire, et t'as mis quelque chose dans ton film qu'on n'a pas retrouvé ailleurs cette année, quoi. Donc c'est aussi ça, faire de la programmation, c'est être conscient de toutes ces choses-là et de prendre toutes ces choses-là. Et après, l'analyse filmique objective de tous les courts-métrages qu'on voit, bien sûr qu'elle se fait, elle se fait au premier jet. Et après, on voit vraiment de quoi on nous parle, là, qu'est-ce qu'on essaye de dire et comment on essaye de le dire
Et je crois que d'être une femme ou un homme, ça fait partie du discours de qu'est-ce que j'essaye de dire quand on est derrière la caméra aussi. Et je crois, encore une fois, hein, j'ai pas fait l'analyse sociologique qui va avec, mais je pense ne pas me planter pour dire que être une femme réalisatrice, c'est pas évident. Être une femme réalisatrice qui fait du cinéma de genre, c'est pareil, tu repars avec un handicap supplémentaire quoi, dans ta carrière. Donc ouais. Évidemment que c'est aussi des choses qu'on regarde. Mais être un réalisateur saoudien aussi, c'est des choses qu'on regarde. Je veux dire, bah ouais, être une réalisatrice saoudienne. Alors là, c'est clair. Mais oui, moi, je. Et c'est pour ça, en plus, j'aime pas dire le mot qualité. Moi, ça me fait penser à, je sais pas, on fait un produit et tout. Et c'est vrai que enfin, je l'utilise, hein, mais j'arrive pas non, mais à trouver d'autres termes. C'est un tout. C'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout, qualité, mais ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense que Sarah l'a bien expliqué aussi. Mais tout à l'heure, quand je disais que parfois on prend des films qu'on a moins aimés que des films qu'on a aimés, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de péjoratif. Hein. J'ai tendance à beaucoup mieux me souvenir de films que j'ai parfois viscéralement détestés que de films que j'ai aimés et donc que j'ai complètement oublié parce que Osef, quoi, c'est random as fuck. Quoi. Et alors qu'il y a des films, et ça m'arrive autant en court-métrage qu'en long-métrage, dont je vais me souvenir toute ma vie parce que ça provoque quelque chose, parce que ça parle plus, parce qu'il y a des choses qui marquent. Et c'est très paradoxal ce que je veux dire, mais parfois j'ai tendance à préférer, ça veut rien dire en fait, mais à préférer les films que je déteste que les films que j'aime, parce que c'est ça aussi qui est important au cinéma. Et à nouveau, le cinéma de genre, terme très fourre-tout à nouveau, le représente bien, c'est que ça fait vivre des émotions. Ça raconte des histoires, parfois et souvent, surtout quand on voit tout ce qu'on nous envoie, des choses qu'on ne connaît pas, tout simplement. Quoi. Là, vous parlez de l'Arabie Saoudite, et c'est vrai que des cours arabes d'Arabie Saoudite, je pense que ça ne fait pas hyper longtemps que je fais ça, mais je n'en ai pas eu beaucoup. Quoi. Des films iraniens un peu plus, mais il y a des territoires qui nous sont complètement, complètement étrangers. Et c'est aussi notre rôle, effectivement, d'être conscient de tous ces enjeux. Et d'effectuer aussi un peu notre travail de représentation. Quand je dis que c'est pas des critères, ça fait très technique, ça fait très cahier de charge, alors que le cinéma, c'est pas ça. C'est un peu ça, mais c'est pas que ça. Et donc c'est sûr que même si je dis que c'est pas des critères, en tout cas, à titre personnel, c'est clairement tous les différents enjeux sociétaux. Et les représentations de genre, de minorité, etc., sont clairement des éléments auxquels je fais attention et j'essaye de faire en sorte que ça se représente aussi, évidemment, dans la sélection. Et clairement, y a encore, on n'est qu'au début de la route, là. Il y a encore un grand, grand trajet à faire. Et les festivals ont aussi leur rôle à jouer. Malheureusement, il y a plein de personnes qui ont un rôle à jouer là-dedans et Célia, tu l'expliquais bien un peu avant, c'est que c'est beaucoup à la base aussi. Parce que c'est vrai que faire un film, c'est bien. Arriver à en réaliser un, c'est déjà bien. Mais après, le chemin ne s'arrête pas là. Il faut le distribuer, il faut l'envoyer, il faut que ça soit vu. Et ça, malheureusement, ça dépasse le simple rôle d'un programmateur de cinéma, de festival. Mais c'est aussi notre rôle, clairement, de faire attention à ça. Ça, c'est sûr et certain. Oui, on a une responsabilité d'éducation du public, mais aussi d'éducation du côté des cinéastes. Dans le sens, moi, je fais aussi un peu de consultation en distribution et je prends toujours le temps d'expliquer comment fonctionne cette jungle, parce que c'est la jungle. Encore plus dans le court-métrage, c'est super important d'en parler parce que la grande majorité des cinéastes s'auto-distribuent. Envoient leurs films eux-mêmes et c'est un travail de dingue, alors qu'ils viennent déjà de réaliser un film, ce qui est déjà difficile. Mais en plus de ça, maintenant, il faut s'occuper de toute la distribution, il faut essayer de savoir qui s'occupe de quoi, c'est quoi un agent de vente, c'est quoi un curateur, c'est quoi Film Freeway, qu'est-ce que je mets sur mon profil, il me demande une bande-annonce, il me demande des sous-titres, c'est un travail de fou. Qu'est-ce que c'est que la première internationale de mon film, aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait,
J'ai donné mon, enfin, j'entends des histoires d'horreur à chaque jour du côté de la distribution. C'est vrai que moi, je fais au mieux pour. Je réponds à toutes les questions qu'on m'envoie. Enfin, comme je suis head of submissions, j'ai mon mail sur Film Freeway. Donc, je réponds à absolument toutes les questions qu'on peut me poser sur tout et n'importe quoi. Mais ils ont énormément de questions et je vois à quel point ils sont complètement perdus. Et surtout dans le cours où ouais, c'est beaucoup d'autodistribution. Donc il y a un devoir un peu de parler beaucoup de ça. C'est il y a tout un beaucoup de travail là. Je pense que justement le fait qu'on se parle, comme on disait avant, le fait que pour le cinéma de genre, pour le festival de genre, qu'on soit comme une famille, ça aide aussi parce que voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment perdus, qui font un film et après ils savent pas où se diriger et comment commencer leur communication et leur diffusion et la diffusion de leur film. Et moi, par exemple, je programme aussi. J'ai commencé cette année, à programmer aussi pour North Bend aux États-Unis. Et par exemple, si je vois un film pour Motelix qui me plaît beaucoup, qui me touche ou qui me parle d'une certaine façon et que je pense que ça peut marcher aussi pour eux, pour North Bend, ben je passe directement, je parle au réalisateur ou à n'importe la personne qui me l'a envoyé et je dis est-ce que je peux aussi considérer pour ce festival. Donc ça, c'est très important justement à faire aussi parce que parfois, c'est vrai que les gens, ils ne savent justement pas. C'est pas évident et surtout dans le cours parce que c'est souvent des jeunes voilà en carrière, pas forcément en âge, mais qui sont à leur début dans ce monde qui est énorme et qui est pas vraiment voilà, il y a pas, je pense que au niveau du public la programmation, le processus de la programmation, il n'est pas très connu et donc les gens ils savent pas comment ça fonctionne. Donc c'est aussi un peu notre rôle de utiliser ces relations proches qu'on a entre programmateurs de différents festivals dans différents territoires partout dans le monde et de aussi pousser un peu voilà, faire notre part aussi dans la diffusion des films. Oui, c'est ça. Moi, je rajouterais que je me satisfais jamais vraiment d'une seule projection. Si j'ai un coup de cœur absolu, soit dans le court ou dans le long d'ailleurs, et c'est pour ça que je me retrouve vite débordée de travail parce que tout d'un coup, je vais décider d'aider X nombre de films et que je me dis mince, en fait, c'est parce que c'est du boulot en plus. Et puis, bon, je le fais pro bono et avec plaisir, mais quand j'ai un coup de cœur absolu, je me satisfais pas de me dire ouais je l'ai programmé à Fantasia, my job is done, au revoir quoi. Et pour moi c'est du win-win, bah déjà pour Fantasia aussi par exemple parce que c'est peut-être un film qui a été découvert à Fantasia puis qui a fait un beau circuit derrière ou enfin ça fait marcher tout ce networking. Et c'est un win aussi du côté des cinéastes, forcément. C'est un win aussi du côté de la distribution, parce que du coup, on change de casquette entre casquette programmation, casquette distribution. On essaye de mettre la main à la pâte là-dessus aussi. Ça fait partie de ça, c'est clair. Et je rajouterais aussi un message à tous les cinéastes. Même si vous avez 10 ou 15 ans de métier, c'est normal que vous vous sentiez paumé dans la distribution. Les jeunes cinéastes sont tout aussi paumés que vous. Je donne des cours de distribution en festival dans des écoles de cinéma. Mais je consulte aussi pour... j'ai consulté pour un réalisateur qui a fait déjà 6 longs métrages et qui était à Venise et qui était... mais il a du métier. Et ben il est paumé et c'est normal. C'est normal parce que c'est la jungle. Donc, moi, si j'ai un conseil, c'est n'hésitez pas
trouver quelqu'un qui sait se repérer dans ce bazar et qui va pouvoir faire fonctionner le networking, envoyer le film si vous n'avez pas de vendeur ou si vous n'avez pas d'agent encore ou de quoi que ce soit, il faut trouver de l'aide, quoi. Faire ça seul, ça se fait pas seul, il faut faire fonctionner le circuit. J'ai vu mais Alien on Stage qui est arrivé sur mon chez moi et qui était, enfin, je fais trop bien, et là j'ai le bif qui m'appelle, c'est bien, on n'a pas assez de comédie, ok Apple. Enfin, c'est gay, quoi, c'est chouette de participer à ça et faire tourner les coups de cœur. C'est un beau métier pour ça. Ouais, et puis pour les réalisateurs et réalisatrices, faut nous utiliser, quoi. C'est-à-dire que nous, programmateurs, on est des relais parce qu'effectivement, on a un réseau de diffusion, parce qu'on a des collègues qui font la même chose. Alors, ce n'est pas notre métier premier de faire de la distrib. On fait de la diffusion dans des contextes particuliers, etc. Mais faut nous utiliser quand un film est diffusé chez nous. Bon, évidemment, on garde contact avec un très gros pourcentage des réalisateurs qui passent chez nous pour voir ce qui avance. On les rappelle tous les ans. Tu es en train de faire un nouveau film, tu me l'envoies, ouais, c'est cool. Ouais, tu n'aurais pas le contact de machin au CNC? Si, si, je te l'envoie. Évidemment qu'on fait ça. Mais même plus qu'à partir du moment où on rentre dans la sphère d'un festival, qu'il y a un programmateur ou d'une équipe de programmation qui a dit « je veux présenter ton travail », franchement, moi, mon conseil, c'est faut l'utiliser, cette personne-là, faut rien lâcher, parce que effectivement, nous, on est dans un réseau de diffusion. Alors, on sera pas des distributeurs, enfin, moi, je ne serai pas une distributrice officielle, c'est pas mon métier premier, mais par contre, le court-métrage et ses programmateurs travaillent dans un réseau de diffusion, vous en faites partie, bien sûr, et vous n'en êtes pas les seuls, donc on est des renforts, on est des relais, quoi. Surtout que, et en particulier pour le court-métrage, le festival, c'est vraiment limite le passage obligatoire si tu veux avoir un peu une carrière avec ton film, quoi. Parce que c'est là qu'après, peut-être qu'une télé va le repérer et que tu vas pouvoir te faire un peu de thune avec. Bien que, bon, en général, faut pas trop se dire que tu vas faire du court-métrage en espérant gagner de la thune. Mais non, clairement, et voilà, comme je disais, je me suis pas mal replongé dans les archives du festival il y a des 40 éditions. Quand je vois les noms des réalisateurs qui sont maintenant connus, qui sont passés au festival avec un court-métrage, bah, il y en a quand même un paquet, en fait, hein. Donc vraiment, passer en festival avec un court-métrage, bah, ça peut être un début de carrière, quoi. Quand je dis des grands noms, parfois dans le cinéma de genre, ouais, des grands noms, hein, c'est des Alexandre Aja, des Andy Muschietti, là, Rob Savage qui a sorti Host cette année, pareil, il avait un cours chez nous il y a 3-4 ans. Donc vraiment, il faut hésiter, les festivals, c'est obligatoire, ouais, bien sûr. Qui s'est fait les tours aussi, qui a commencé comme ça, enfin, qui a commencé comme ça. Il sortait pas de nulle part, hein, chouchou, mais quand même, c'est vrai, Andy. Mais c'est vrai qu'il y en a plein, hein, c'est chouette de les suivre. En plus, là, on parle des têtes d'affiche états-uniennes en partie, pas par que, mais pour nous, chez les petits Français, on est contents. Hein. Mais quand on les voit sortir leur nom, je sais pas, juste Filippo était chez nous avec son film en 2019, avec son cours. Là, on voit La Nuée qui sort en salle, on voit La Nuée à Cannes, on entend juste sur toutes les radios en ce moment, on dit « ouais, trop bien !» Effectivement. Ouais, non, c'est assez chouette. Moi aussi, j'avais mes petits protégés, les frères Guy, qui faisaient du cinéma hyper indé, que j'ai suivi depuis qu'ils avaient 16 ans, quand je les ai rencontrés. Et j'ai programmé tous leurs cours dans tous les festivals que je pouvais, de cinéma indépendant, etc., à les suivre. Etc. Et puis Bim, il se retrouve à Sundance avec un premier long et puis je pense que ce rapport justement entre réalisateur réalisatrice et programmateur programmatrice est super super important avant de faire ce suivi de carrière, comme on dit. Moi pour parler plus spécifiquement par rapport au portugais, justement celui dont je parlais qui a eu un de ses premiers cours à Sundance, qui était chez nous aussi,
Il a fait son premier lan en, 2000, ouais, en 2019, qu'il a fait première chez nous. Parce que justement, c'est aussi ça. Après, on a un rapport spécial. Donc après, ils viennent chez nous pour faire leur première. Donc c'est aussi un rapport spécial. Et avec Motelix, nous, on fait déjà depuis quelques années, on fait des séances à l'extérieur. Donc à l'extérieur de Lisbonne, mais aussi à l'extérieur du Portugal. Et par exemple, j'ai emmené son film au Luxembourg, à la Cinémathèque du Luxembourg. Donc, il y a aussi tout. C'est une relation spéciale. Voilà, on ne va pas dire que forcément on devient les meilleurs amis du monde, mais c'est une relation par rapport. Une relation cinématographique, on va dire. Cinématographique. Et donc, c'est ça aussi. C'est ça aussi par rapport justement aux cours qui ont peut-être un peu plus du mal à commencer. Voilà, dans le sens comme Cyril disait, utilisez-nous parce que nous on a ce réseau, on a ces possibilités peut-être plus facilement que les cinéastes qui sont tout seuls et c'est, voilà, tout seul c'est vraiment dur. Ouais, je trouve qu'il y a peut-être un rapport un petit peu bizarre aussi, j'ai l'impression les cinéastes qui se sentent un peu peut-être déjà intimidé par des programmateurs ou qui se disent, enfin voilà, j'envoie mon film, il va être jugé par ces personnes, etc. Et que qu'il y a une difficulté à connecter en fait entre le programmateur et le cinéaste. Et je sens toujours un peu cette, enfin ce petit stress ou cette gêne ou cette voilà, ou alors par exemple qui va aussi. Alors, quand on fait, surtout quand on fait de l'autodistribution, ouais, quand on fait du cours, mais du long aussi, remarque, mais on va se prendre énormément de rejets de plein de festivals, hein, même si le film est excellent, je veux dire, voilà, on parlait de critères, etc. Il y a tellement d'aspects qu'on ne connaît pas du côté de la programmation qui rentrent en compte, qui ne sont pas nécessairement liés à est-ce que le film est bon ou est-ce que le film a du potentiel ou pas, mais il y a d'autres, il y a beaucoup, beaucoup d'autres aspects. Et donc, il y a une méfiance, j'ai l'impression, de la part du cinéaste, peut-être qu'ils ont été très rejetés par les festivals, ils n'osent plus trop demander. Par exemple, je conseille de demander un feedback au programmateur. J'ai été rejetée du festival, ben, je fais un petit mail, est-ce que vous avez le temps, 5 minutes, de m'expliquer pourquoi. Ne les insultez surtout pas par mail. C'est sûr que ça va vous permettre. Moi, je le prends plus trop mal. Hein, ouais, ça, mais bon, soyez sympa, on envoie 2000 par an pour en sortir moins d'une centaine. On fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, mais je recommande vraiment, ouais, de demander un petit feedback. Il y a beaucoup de festivals qui ne vont peut-être pas avoir le temps de vous répondre, hein, et leur en voulez pas non plus parce que voilà. Mais moi, je sais que je réponds absolument à tous ceux qui demandent et c'est du temps, mais je le fais parce que c'est normal. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de le faire à chaque coup. C'est long et puis on ne peut pas froisser non plus voilà, les cinéastes, on veut quand même les encourager, même si c'était vraiment pas bon. Et puis bon, voilà, hein, on apprend. Et à savoir, enfin, moi, je n'ai jamais fait de film. Hein. Enfin, j'ai fait des petits films d'étudiants ou quoi, donc j'ai un respect même pour les plus petits cinéastes. Ne serait-ce que d'avoir juste fait un film, c'est incroyable. Donc voilà, mais c'est, ouais, c'est vrai que c'est bien de rétablir un peu de la confiance entre les programmateurs et une accessibilité aux programmateurs, une compréhension de ce qu'ils font. C'est super important, c'est ce qu'on fait maintenant. Et peut-être moi aussi, avant de rentrer dans le monde des festivals, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte de tout ce que c'est, voilà, de tous les enjeux, de tout le travail. Donc c'est cool de montrer ça au public un peu plus général, je vais dire, mais aussi pour les cinéastes.
Oui, parce que ça donne une fausse impression de supériorité, ça, comme si Ouais. effectivement faire un film, c'est un truc de fou. Tu l'envoies aux gens, les gens regardent, ils te disent oui, non, je veux le montrer, je veux pas le montrer, etc. Mais c'est complètement une fausse position, parce qu'en fait, bon, en tout cas chez nous, et je pense que chez tout le monde, on dénigre jamais aucun boulot. Et du coup, il y a toujours, on est souvent plutôt très emmerdé et très humble par, très, pardon, la liaison est moche, très humble par rapport à ce qu'on est en train de regarder. Et les gens qui ont mis des mois, parfois des années, toute leur trip dans un projet, et de vraiment s'interroger sur ce qu'on peut en faire. Et on est souvent très emmerdé de devoir choisir entre des propositions différentes, mais qui sont passionnantes, mais il n'y a pas la place. Et comment on fait? Tous les ans, on ne diffuse pas des films qu'on aurait adoré diffuser. Et parfois, on se dit, il faut qu'on fasse une séance en plus, quelque part, des à côté, des ceux qui ne sont pas rentrés parce qu'ils étaient trop longs ou parce que, en fait, bah, sur la même thématique, sur le même sujet, sur le même propos, il y avait autre chose qui, ah, pour X raisons, on a valorisé l'autre, mais celui-là, ça aurait été bien de le montrer aussi. Enfin, c'est pas. On se fait souvent un peu tout petit quand on les regarde, ces films-là, qu'on juge avec nos gros yeux, là, de toi, tu auras tes points CNC, pas toi. Mais tu sais, en fait, c'est des positions avec ouais, beaucoup d'humilité et qui sont très compliquées. La pauvre martyre, je suis programmatrice pour, c'est hyper dur. Et moi, je considère que ce qui prend dans la vie le plus d'énergie, c'est de faire des décisions, de prendre des décisions. C'est ça qui m'épuise le plus, en règle générale. Et donc, dans mon métier de programmatrice, je fais que ça, de prendre une décision après une autre. Et ouais, après, ouais, c'est la bonne balance. J'aime bien le challenge aussi de me dire, je vais pas le prendre. Et je vais le regretter, mais j'accepte d'avance, voilà, mon regret, mais parce que aussi j'ai besoin de me challenger dans le fait d'être concise sur ce que je fais et de prendre vraiment la crème de la crème de ce que je pense que je peux offrir. Et donc j'aime bien aussi, j'aime bien me séparer de certains que j'aime, même si c'est enfin voilà, c'est un coup de sparadrap. Mais bon voilà, je me dis ça fait partie du game, mais ça me force à être concise. Par exemple, à Fantasia, d'avoir une très très grande plateforme, d'avoir ouais, ces 130 slots à remplir pour bah, sur les longs par exemple, c'est presque embêtant parfois. Parce que on a beaucoup trop, on va peut-être pas avoir porté autant d'attention à chaque film qu'on pourrait. Donc il y a aussi voilà, il y a ces côtés positifs et négatifs. Mais quand je travaille dans la restriction, aussi par exemple là, avec les cours expérimentaux, cette année on fait a priori, on est parti sur des séances qu'on n'a pas encore tenues. Pas officiel, mais on fait a priori des séances très courtes. On aimerait bien essayer de voir si on fait un 45, des blocs de 45 minutes pour parce que bon, c'est de l'expérimental, donc on demande quand même beaucoup aux spectateurs et on essaye d'être très concis. Et donc j'aime bien aussi travailler dans de se mettre un challenge en plus à ce Mais niveau-là. la base de la co-curation, pour moi, c'est ça, c'est faire des choix, c'est vraiment avoir une certaine limitation, parce que comme tu dis, si t'as de la place pour tout, ben, tu mets tout, c'est facile, entre guillemets, on va dire, tu regardes peut-être pas avec la même attention, parce que tu sais que tu as de la place. Absolument. Alors que si tu travailles avec voilà avec moins d'espace, moins de temps, bah forcément oui tu vas devoir faire des choix et c'est vrai que tu vas devoir passer à côté parfois des films que tu aimes beaucoup, mais pour raison X ou Y voilà tu les prends pas sur le moment. C'est pas toujours quand un film est rejeté, c'est pas toujours parce qu'on l'aime pas,
ou parce qu'il n'est pas bien ou quoi que ce soit. Voilà, souvent, c'est aussi une question de choix et d'essayer de travailler avec l'espace qu'on a, avec l'espace et le temps qu'on a. C'est ça, il peut y avoir, par exemple, un problème en termes de tonalité. Peut-être que j'ai déjà programmé un film qui avait plus ou moins le même ton, plus ou moins la même thématique, etc. Donc bon, je dois faire un choix un peu entre les deux. Mais ouais, il y a tellement d'aspects. Enfin, des fois, j'ai l'impression de jouer à Tetris. Et puis sur la fin, ça s'accélère de plus en plus. Mais voilà. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur le fait que, alors moi, je travaille pas de la même façon que Thibaut, par exemple. Et ce qui est deux façons de travailler, je sais que certains programmateurs travaillent comme ça aussi, c'est moi, je programme au fur et à mesure que je regarde. Donc, c'est deux manières. Il y en a pas une qui est pas valide ou quoi. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien dans cette façon de travailler. Voilà, c'est un peu ce jeu de Tetris, mais de me dire, je commence déjà à prendre des décisions, je commence déjà à placer mes premières pierres à l'édifice, et puis ça me mène quelque part, en fait. Ça commence à construire un peu la base, et ça m'apporte des challenges, etc. Donc, c'est assez chouette aussi comme ça. Je pense que nous, on fait un entre-deux, entre vous deux, par exemple. C'est-à-dire qu'on est en sélection de janvier à de mi-janvier à fin mai. Et on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde. On met de côté, hein, mais on ne prévient personne, on ne construit rien, on regarde, on bouffe tout ce qu'on peut. Et arrivé vers le mois d'avril, on commence à composer au fur et à mesure qu'on finit de regarder. On fait un peu un entre-deux. Mais c'est vrai qu'on essaye de regarder le plus de choses possibles avant de prendre des vraies décisions. Je te demandais si tu n'avais pas parfois des frustrations parce que tu avais peut-être pris plein de trucs que tu as aimé en début. Et puis, tu vois, imagine, tu reçois plein de films que tu aimes beaucoup en fait à la fin et tu n'as plus de place, tu vois. Ça ne créait pas des frustrations? Non, justement, c'est là où le jeu de Tetris est rigolo. C'est que je sais garder de la place là où il faut. Je sais avancer mon pion rapidement s'il le faut aussi. C'est une bonne balance, mais j'ai jamais... Il y a toujours beaucoup, beaucoup d'excellents films qui viennent tout à la fin. Et je garde la place pour ça, de toute façon, ça c'est clair. Les premiers films que je vais commencer un peu à prendre, c'est les films ultra coup de cœur. Et c'est les films où eux, par contre, je me dis, je sais que si je le prends maintenant, à la fin, peu importe ce qui se passe, il ne prendra pas la place d'un autre. Parce que de toute façon, là, c'est sûr qu'il a sa place. Et voilà, par exemple, je me souviens concrètement, la première année pour les cours expérimentaux à Motel X, on était en train de discuter, on créait cette séance de cours expérimentaux. Donc, on ne savait pas trop vers où on allait. À un moment donné, on se dit, tiens, est-ce qu'on va faire plutôt de la rétrospective ou est-ce que machin. Enfin, voilà, c'était très flou, mais bon, on discutait. Voilà. Puis à un moment donné, je vois le dernier cours de Mandico Extasius. Mandico que j'adore. Et puis je le vois et puis je me dis, tiens, il est disponible, je pourrais l'avoir si je le voulais. Et ben, ça a posé cette première pierre, ça a ouvert un peu le chemin sur ce qu'on allait. Sur ce que la programmation allait devenir, en fait. Donc moi, j'ai eu besoin de ça pour me guider. Et pour moi, ça a été le visionnage de ce film et le fait d'avoir sélectionné immédiatement ce film et qui a fixé un peu le destin de ce qui a découlé après. Ça, c'est clair. Donc moi, j'aime bien construire comme ça au fur et à mesure... et me laisser surprendre en fait petit à petit
je préfère voir la programmation se faire un petit peu organiquement, du coup, de la construire au petit à petit, au fur et à mesure de ce que je vois et de ce que je décide de bloquer ou pas. Ben ça, il y a quelque chose d'organique, d'assez magique en fait, qui se passe au fil de ça, plutôt que de le faire d'un coup ou d'un seul, je sais pas. Mais quand je sélectionne, je me dis jamais c'est une place en moins que j'aurais pas à la fin. Le doute est pas là, quoi, jamais. C'est clair. C'est vrai que c'est deux manières différentes de travailler. C'est pas que l'une est meilleure que l'autre. C'est juste c'est des préférences. Nous, chez nous, on aime aussi avoir cette vision générale, donc d'attendre jusqu'à la deadline des soumissions pour un peu avoir le tout. Et être sûr qu'on regarde le tout avec le même genre de regard. C'est vrai qu'on fait aussi des présélections, on va dire. Il y a vraiment des films où on a des coups de cœur immédiats, unanimes. Donc c'est vrai qu'on les met un peu de côté et peut-être ceux-là, on va les bloquer directement juste pour être sûr de les avoir et de ne pas les perdre. Parce qu'il y a, il y a aussi ce risque quand on attend d'avoir le tout, peut-être après, il y a un autre festival qui va le prendre et niveau timing, après ça ne marche pas pour qu'ils viennent chez nous aussi. Donc, un peu comme Cyrielle chez Courmétrange, on fait peut-être un peu entre les deux. Un peu attendre pour avoir le tout, mais bloquer les gros de coups de cœur qu'on est sûr et certain qu'on ne veut pas perdre et que même en arrivant à la fin, on est sûr que celui-là, on va vouloir l'avoir dans la programmation. Il y en a, on sait tout de suite. Hein. Oui. Il y en a... Voilà. Tu dis ça, mais quoi qu'il arrive dans le monde, c'est programmé chez nous. Il ne peut rien se passer qui peut faire que ce film ne sera pas programmé. Il n'y en a pas des quantités de folie, hein, mais il y en a, on le sait tout de suite. Puis après, il y a une logique qui se construit, un regard qui se construit en fonction de ce qu'on voit d'autre, comment ça peut se répondre, comment ça peut dialoguer, etc. Et des films deviennent évidents là où peut-être qu'au moment où tu les as vus, ce n'était pas si évident, etc. Mais il y en a, on sait, à la première seconde de générique, on fait non, mais ça, c'est sûr. Et c'est souvent une année. Créer les sciences, c'est une des meilleures parties du boulot, créer les sciences. Parce que c'est vrai que c'est là que oui, parfois, certains films résonnent autrement grâce à la présence d'autres. Et ça, c'est des trucs que tu ne sais pas. Parfois, c'est évident hein, quand tu reçois des films, déjà au moment de la programmation, enfin, de la sélection, tu le vois déjà, mais parfois, il y a des choses que tu ne soupçonnes pas vraiment qui se révèlent un peu. C'est toute la beauté du truc, quoi. Ouais, c'est un sacré exercice, hein. De construire comme ça cette séance qui fait que les films vont se nourrir les uns des autres, s'augmenter les uns les autres, et que jamais personne ne sera écrasé, que les propos des films ne seront jamais dénaturés parce que tu les as mis à côté du mauvais, du coup ça change des choses, et qu'en même temps ça va faire des séances éclectiques où il y a à boire et à manger, où tout le monde peut s'y retrouver. Moi je sais que dans les séances qu'on construit, à 80%, j'adore tous les films, et il y en a sur lesquels je fais des concessions parce qu'on est plusieurs et que c'est le principe, et qu'on est 8 programmateurs chez nous, et avec tous on s'est choisi mutuellement avec des regards très différents. Moi, en tant que programmatrice, je reste spectatrice avant tout. Si je perds ce statut spectatrice, ben, je ne peux plus être programmatrice parce qu'il faut toujours que je puisse me mettre à la place du spectateur. Et donc, ce que j'adore, c'est toujours d'être à fond dans ma programmation. Ça se passe un petit peu organiquement. Puis, il y a un moment donné, quand elle est presque finie, là, tout d'un coup, j'ai une sorte de recul et de me dire... Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, un peu une sorte de dédoublement de personnalité où je me dis c'est ça, c'est ça le résultat final, et ça,
C'est super chouette. C'est un des rares moments où on peut être vraiment créatif en fait en tant que programmateur, parce que à savoir que la plupart du temps nos métiers c'est quand même très administratif aussi. Moi, quand mes amis me disent ah oh, mais toi t'es payé à regarder des films, je fais bon bah oui. Alors un, t'es jaloux. Deux, si c'était que ça, bah je suis quand même bloquée chez moi à regarder des films. Quand je pourrais aller me balader au parc, donc je fais quand même du travail. Mais trois, une grande majorité de mon temps, c'est en fait, je réponds à des mails et je fais des spreadsheets et ça, que j'adore aussi. N'est-ce pas, Sarah? C'est la spécialité de Célia, les spreadsheets. Mais donc le rare moment un petit peu de créativité. Qu'on peut avoir dans ce métier-là et qui est assez chouette, bah ouais, c'est ça, c'est ouais, la création même de la séance, écrire les textes aussi, écrire des textes de présentation. On a quand même la responsabilité d'introduire, d'expliquer aussi, de nous expliquer par rapport aux spectateurs et de dire bah, voilà pourquoi vous allez aimer ce qu'on va vous montrer. Mais c'est super important. Par exemple, moi, j'avais envie d'évoluer un petit peu au niveau de mon écriture, parce que j'ai jamais beaucoup écrit. Enfin, j'ai fait des études cinématographiques, de théorie du cinéma, etc., un peu basique. Mais j'ai pas trouvé. Enfin, si, j'ai trouvé. Mais j'ai pas trouvé de livre de théorie d'écriture pour catalogue. De festival par exemple, ou très spécifiquement comment est-ce qu'on écrit, voilà. Alors il y a des livres sur l'écriture critique de cinéma, mais j'ai quand même trouvé un bouquin qui s'intitule How to Write About Contemporary Art, pardon, et qui en fait est un livre qui explique comment on écrit en tant que, quand on a une galerie d'art, comment est-ce qu'on écrit dans son catalogue et comment est-ce qu'on écrit nos textes qui accompagnent les tableaux, etc. Puis bon, bah, j'ai remplacé le mot peinture par film dans mon bouquin en étudiant ça. Je me dis, ah, chouette. Et donc, j'ai énormément évolué dans mon écriture. Mais voilà, on en revient au fait que on a un métier très peu connu et très jeune, etc. C'est qu'il n'y a rien qui a été encore théorisé sur comment est-ce qu'on travaille autour de ça, quoi. Et c'est à faire, pourquoi pas. Mais c'est, ouais, il faut, quoi. Il faut accompagner, il faut donner une voix. Il ne suffit pas de le montrer. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est très difficile du côté du virtuel. On a l'impression qu'on lance le film presque sans aucune arme. Il y a un texte, on ne sait pas si les gens vont le lire, mais on n'est pas là pour accompagner, par exemple, aussi de la présentation publique. Et super importante. Obif, ils ont un super, super présentateur qui fait presque toutes les séances. Je vous envie parce que moi, je fais une série. Mais il fait pas les cours. Les cours, c'est moi qui les fais quand même. Ah, ok. Mais il est très bien. Il est très bien, effectivement. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour cette discussion. C'était merci chouette de vous avoir ce soir avec nous à Rennes en visio. Merci à toi, Cyril, pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, merci beaucoup, Cyril. Peut-être y aura un épisode 2. Oui. Donc, on a encore plein de choses à dire. Il y a beaucoup. Ça, c'est un cliffhanger. To be continued. On verra. Non, mais écoute, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci, merci à vous. Et puis à bientôt sur nos festivals respectifs qui reprennent, qui se remettent au boulot, qui reprennent du physique. Ouais. Enfin. Ouais. Oui, comme... Allez, bonne soirée, merci. Allez, gros bisous. Bonne soirée. Gros bisous. Bonne soirée.